Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un placement de produit de Sunchi. Alors, pas la peine de commenter si c'est un placement de produit ou non, parce que ça ne l'est pas. Jusqu'à date, j'ai gagné 0$ en argent de YouTube. Bon, bienvenue à cette vidéo de ma collection de peluches Five Nights at Freddy's par Sunchi. Alors, il y a un an de cela, j'ai déjà fait une vidéo où est-ce que je montrais Foxy et une autre où est-ce que je montrais Freddy. Et un peu plus tard, Bonnie est arrivée et pas mal de personnes m'ont demandé « Est-ce que tu vas faire une vidéo sur Bonnie ?» Et je leur ai tous répondu la même chose que... Si je faisais une vidéo pour chaque peluche qui sortait, ça deviendrait vraiment trop redondant et répétitif. Et je préfère faire une autre vidéo quand ma collection sera plus grande. Et depuis hier, je considère ma collection de peluches FNAF comme étant complète. Car j'ai à présent tous les toutous que je voulais avoir de cette série. Alors, on va passer rapidement avec Freddy, ou Foxy, et Freddy, parce que ceux-là, on les a déjà vus en vidéo. Bon, là maintenant, on va aller dans les nouveaux que j'ai jamais montrés. Alors, voici Bonnie. Alors, pour une fois que... qu'un objet est plus beau en vrai que sur l'image du site web. J'aime beaucoup ses petites oreilles. En tout cas, c'est un vraiment beau toutou comme d'habitude et il est doux comme les autres. Ensuite, il y a Chica et son cupcake. Et ce toutou est, comme d'habitude, vraiment cool. Et en plus, le cupcake peut s'enlever. Et on peut le remettre. En fait, ça fonctionne parce qu'il y a un aimant à l'intérieur de la main de Chica. Franchement, bravo Sunchi, c'est vraiment innovateur. Ensuite, il y a Golden Freddy. Alors, Golden Freddy est un de mes personnages préférés de la série. Et il est vraiment mignon sur ce toutou. Et finalement, l'édition limitée Fredbear. Alors, Golden Freddy avec le chapeau noir, c'était fait pour ressembler son look dans FNAF 1 et 2. Mais lui, c'est plus pour ressembler son look dans FNAF 4. Alors, honnêtement, je pense que je préfère lui, Golden Freddy, à cause des couleurs sur son nœud de papillon et son chapeau. Alors, voilà. Honnêtement, si Sunchi s'arrêtait là avec ses toutous, ça ne me dérangerait pas du tout. Parce que, au départ, tout ce que je voulais, c'était d'avoir les 5 originaux. Bon, j'ai pas refusé quand il y avait l'édition limitée, mais... Honnêtement, s'il s'arrête là, ce serait bien. Et je n'aurais aucun problème. Alors, franchement, bravo Sunchi d'avoir fait une collection aussi géniale. Alors, je sais que Funko en a fait des peluches FNAF, mais honnêtement, je préfère celle-là. Et puis, elles se ressemblent beaucoup, donc je vais pas les acheter. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.